milliard, je vais lui donner, je vais partir. Et c'est tout. Allez. Salut. Ah, salut. Je voulais te demander si tu voulais bien m'aider à faire un truc. Oui, c'est quoi? C'est entrer chez le voisin du troisième et prendre sa sacoche. Il paraît qu'il a plein d'argent dedans. On va pas lui faire ça, le pauvre, il en a peut-être besoin. Oui, mais ma mère, elle en a plus besoin. Parfois, il n'y a rien à manger chez nous. Mais tu as raison. Mais s'il nous attrape, il va grave nous engueuler. Oui, mais si tu viens avec moi, je te donnerai un bisou. On n'aurait jamais dû venir là. T'inquiète pas, il va rien nous arriver. Mais il peut nous faire quelque chose. Mais non, on dit qu'il fait des trucs bizarres, c'est tout. Et on dit aussi qu'il a beaucoup d'argent dans sa sacoche. Mais tu crois pas qu'il va se fâcher s'il découvre qu'on est entré comme ça chez lui? Il va pas s'en rendre compte, il nous verra pas cachés ici. Et puis sa porte est toujours ouverte. Tu bouges pas! Non, arrête de parler! Bon, mais on reste pas longtemps, hein. Chut, tu vas tout gâcher. Il a laissé la sacoche et le pinceau magique. Il faut partir maintenant, on peut. S'il nous attrape, il va nous transformer en crapaud. Le bisou. C'est le moment de faire un truc qui va grave nous faire entrer dans l'histoire. Non, quand même. Bah si. Merde! Alors, on s'amuse? Bon, on a tout perdu. On a failli être magicien et j'aurais pu aider ma mère. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'on garde un tout petit peu de magie sur nous. Ouais, moi aussi. Bon, allez, viens, on va faire un goûter pour nous.